La natation tire sa révérence aux JO de Tokyo sous la domination incontestable de Caleb Dressel. L'Américain a raflé 5 médailles d'or, devenant l'un des athlètes les plus titrés de ces Jeux. Aux 50 mètres nage libre, il devance le Français Florent Manneau, 12 médailles d'argent. Parmi ses autres titres, le 100 mètres, 100 mètres papillon et le relais 4x100 mètres. Chez les femmes, c'est l'Australienne Emma McKeon qui a fait sensation en remportant le 50 mètres nage libre avec un record olympique à la clé. Elle avait déjà décroché le titre sur 100 mètres et dans le relais 4x100 mètres et 4x100 mètres 4 nages. Amertume pour la boxe française. Mourad Aliyev dénonce un scandale après sa disqualification chez les plus de 91 kg en quart de finale. Le superviseur a reconnu une erreur d'arbitrage. Le comité français s'est saisi de l'affaire pour contester la décision devant le tribunal arbitral du sport. La Britannique Charlotte Worthington et l'Australien Logan Martin sont devenus dimanche les premiers champions olympiques de l'histoire du BMX freestyle. La rideuse britannique s'est imposée grâce à un 360 backflip, encore jamais vu en compétition chez les femmes. Enfin, au lancer du poids, la chinoise Gong Li Jiao remporte l'or, mais c'est la néo-zélandaise Valerie Adams qui entre dans l'histoire de la discipline. Revenue à la compétition après deux grossesses, elle est montée pour la quatrième fois consécutive sur le podium olympique avec une médaille de bronze.